and you're not afraid of rejection every now and then you're on your way to being an entrepreneur. OK, de point que Matt Fexo dit là, la parler de indépendant. Ça veut dire que si par exemple que vous voulez entrepreneur, faut qu'on ca comme si là ou même vous senti que ou même indépendant. So, ça veut dire que ou pas besoin de dépendre de monde comme si ou même pour arriver faire une série de bagailles. So, ça veut dire indépendance ou bagaille qui très important parce que figure en tant que entrepreneur ou bien son business owner, c'est pas monde qui est obligé de prendre décision pour. Ça veut dire que ou même faut qu'on ait comme si capacité, faut qu'on ait habilité ou même pour qu'on prenne propre décision, etc. Et puis avec d'autres activités. So, ça veut dire que indépendant, c'est un bagage qui est très très important. Le ou même où t'as voulu rentrer dans le monde entrepreneurial. I don't think I said all that. Well, you added some extra things to it. Not really, you know. No? It's just that I had to, you know, go to more details. You wanted more detail. All right, that's good. That's good. Look, we need to also be persuasive, which is what Farah is basically doing. You have the greatest ideas in the world, but if you can't persuade your partner, your customers, your employees, or potential lenders, you might find yourself, you know, not being able to, you know, take on the challenge. You have to really enjoy public speaking. You have to engage with new people with ease and find that you make compelling arguments grounded in the facts of your ideas, and it's likely that you'll poise yourself or put yourself in a position to make your idea succeed. Oui, c'est ça, Jean-Marc Soudia. Ça veut dire, et persuasif, ça veut dire que conviction. C'est comme si nous avons mon cœur, comme si, faut qu'on ait une habilité comme si pour convaincre. OK? Habilité convaincre, là, c'est un bagage qui est très important dans le business. Parce que, prenons le cas que, ou gon idée géniale que ou ta remè comme si développer etc tu vois mais c'est ou même qui pour comme si qui pour convaincre investisseur là ou bien quel ou bien client qui devant là potentiel client qui devant là pour eux même pour eux arriver acheter produit là ou bien investir dans produit là so, ça veut dire que caractéristique ça ça va qui très important si ou même ou ta veut venir entrepreneur faut qu'on ait habilité ou même pour convaincre monde ça veut dire pour faire mon arriver acheter produit là ou bien investir dans produit là. You added more again. Not really. Not really? Okay, good. Well, look, whether your business is large or small, as the entrepreneur, you need to be able to negotiate everything from, you know, a lease to contract terms to rates. You have to be polished in your negotiating skills. This will in turn save you money and keep your business running smoothly. Oui, qu'on y a l'autre point que nous parlons. Quand nous parlons de point de négociation, négociation c'est la clé. Ça veut dire que ou pas ka comme si ou va rentrer dans mon entrepreneuriat ou ta remé entrepreneur ou bien on c'est entrepreneur, sous entrepreneur déjà ou bon ou ta que skills ali on ti gen ou pas gagner li c'est chercher apprendre ni, mais ou même tout soit rentrer dans mon entrepreneuriat faut qu'on apprendre négocier. Parce que tout côté qu'on passe, comme si dans direction comme si de business à faire ou bral en affaire avec négociation. So, ça veut dire que négociation sont bagay très important avant que ou même ou ta considéré comme si rentrer dans le monde entrepreneurial. Well, like I said in the beginning, there's basically, you know, five really good points here. And so far we've gone over three. You know, being independent, being persuasive, and being able to negotiate. Now with the final two, you got to say, are you creative? Are you able to think of new ideas? Can you imagine new ways to solve problems? Entrepreneurs must be able to think creatively. If you have insights on how to take advantage of these new opportunities, entrepreneurship is a great fit for you. Bon, on a parlé de créativité. Créativité est un bagage qui est très important parce que ouais, dans mon entrepreneur, il y a prenant le cap, pas vrai? Et les années passent. Ça veut dire que il y a différentes stratégies que ou même en tant que business owner, en tant que entrepreneur, en tant que professionnel pour venir avec lui parce que créativité son bagage qui très important que c'est ça fait que ou attendez dans tout le monde il y a parlé de innovation, innovateur etc. Ça veut dire que faut qu'on venir avec des c'est pour très créatif, c'est pour venir avec de nouvelles idées. So, ça veut dire créativité comme si tu apprends dans monde entrepreneuriat son bagage qui très important. So, ça veut dire que c'est pour voir comme si ou même ou l'entête tout faut qu'on comme si ou cas si on dit par exemple que gon produit ou bien gon service qui pas marcher faut qu'on comme si gen capacité ou même pour venir avec un bagage différent. And finally and probably most importantly,
You need to have that support system. You need to, before you start your business, have that strong support system in place. You may be forced to make very important decisions, especially in the first months of opening your business. If you don't have that support network of people to help you, consider finding a business mentor. A business mentor is just basically someone who's experienced, successful, and willing to provide advice and guidance. These are all key elements, as I've said, to becoming the best entrepreneur you can be. Oui, et puis c'est ça, bon, le mot final, comme si l'un point que nous sommes débattre de à faire, est-ce que l'entrepreneuriat c'est pour vous? C'est que, yo dit comme ça que c'est très important pour un team, un team solide. Team solide, là, là, qui c'est ce que APC est dit? Parce que longtemps, les gens qui ont fait business, ils mettent la tête, c'est celle le boss, c'est celle le chef. Ça veut dire pas que c'est comme ça encore. Parce que pour réussir en business, il faut qu'on ait un team, il faut qu'on ait un team solide avec vous. Ça veut dire que côté que chaque monde spécialisé, l'on barre et puis n'a pas avancé vers l'avant. Donc ça veut dire que faut qu'on make sure que on gagne ça comme c'est avec vous. Et si toutefois que vous pas gagne team, vous pas gagne support système avec vous, ça que nous conseillons même pour faire qui est très très important, faut qu'on a comme si un monde qui a bon conseil, c'est ça qu'en anglais que nous les mentors là. Ça veut dire que faut qu'on a comme si un conseiller côté que lui-même il a bon direction ou même pour aller vers l'avant. Bon, c'est ça, jodi a nous t'est venu bon côté ou avec Entrepreneurs Link. Côté que Entrepreneurs Link, la première partie dans show, li vini pour vous avec des différents de topics. Côté que semaine ça, nous t'est commencé avec Thinking of Starting a Business. Côté que nous t'est attaqué article, est-ce que entrepreneuriat c'est pour vous? La semaine prochaine, nous allons venir avec même chapitre là et comment que vous ouvrez un business. Mais article que nous allons venir avec la semaine prochaine, nous allons parler de 20 questions ou même poser tête ou avant que ouvrir un business. Ça veut dire que semaine prochaine, c'est ça que nous allons parler avec vous, 20 questions pour poser tête ou avant que ouvrir un business. Voilà, Anne. I heard the vacation part. No, not vacation, not really. I mentioned about the topic we're going to talk about next week, which is the 20. Oh, about being a good mentor. No, not about being the end. The next article we're going to... Oh, the next article we're going to read, which is all about... 20 questions before... Oh, the 20 great questions. Yes, exactly. Now, you knowing what to ask to be the best entrepreneur you can be. Exactly. I can't wait to start reading about that next week. Yes. I think everybody out there is going to love it. But I think what we really want to take away with today is understand that being an entrepreneur can be in any business. It doesn't have to be just in, like, the business that Farah and I are in with the real estate and insurance. It could be in anything. It could be, you know, the local janitor. It could be... a nurse. It could be any one of those can create a new idea, a new opportunity for anyone who's out there. You just have to believe in yourself and go for it. Yes, and I can add one more thing. Also, just have to identify your passion, what you're good at. And if you don't have passion, you got nothing. Exactly. So that being said, let's talk about some of our passions. Yes, we should. Right? So why don't we talk about life insurance? You like that? Yes, that's perfect. Actually, one. Before we talk about life insurance, let's remind everybody that the Medicare open enrollment is now not open. It's closed. It's closed. So if you didn't get to me by yesterday, then all I can say is you need a life-changing event to then get onto Medicare. So that could be a divorce. It could be you moved into a new service area, or you are leaving group insurance from your existing employer. Those are all good reasons why you could still call me and we could talk about Medicare. And for those who are young out there, 64 or, a little bit older than 64, we could still talk about planning for when you turn 65. So with that said, now we can move over to life insurance. Life insurance. Okay, avant que nous commencions à ouvrir parler de l'assurance de vie, et nous te voulons faire nous connaître comme si que et période de temps pour Medicare là comme si fermé. Mais ça pas veut dire que ou gen cas comme si qui exceptionnel prenant le cas que côté m'ta dou cas la mort etc. et puis gen l'autre cas tout comme si que yo ka reconsidérer cas so, ça veut dire que ou même sou penser que gon cas et pour pas gen temps faire sortir pour faire on time ça avait dit à l'heure ou gen doit toujours comme si contacter nous et puis nous même n'a pouwè exactement qui ça que nous ka faire pour qui ça possible pour so, ça veut dire qu'on nous va commencer avec life insurance assurance de vie.
I want to talk more about life insurance. I don't know what you said, but it sounds really good. So when we talk about life insurance, and some of the most important aspects of life insurance is to basically protect your family. So the question you need to be asking yourself is, if I'm not here, how does my family get by? What steps am I going to organize and put in place so that if I'm not here and I'm not making, you know, I'm not providing that level of income to protect my family and, you know, secure their future, is there a product that can help me protect them? And of course, it's life insurance. And that's where Farah and I can come in and we can review the needs of many and figure out exactly what you need to make sure that in the awful event that you're not here, you'll leave behind a legacy that will allow your family to go on and think of you in fond memories and put them in a position where they won't be in a bind. Bon, moi-même ça comme qu'a dit personnellement de life et assurance de vie, comme si gen en pile monde qui toujours gen tendance comme si peur assurance de vie. Mais moi-même personnellement, toujours dit client mieux ça, toujours dit tout le monde ça. Dans la vie, c'est pour apprendre faire face avec réalité. Ça veut dire réalité la vie qui s'allie. On le nous tout gen pour nous mourir. Longtemps moun te kon mouri lan l'âge grand moun kon a moun mouri à tout âge. Et moun comme si ki soucieux de famille, moun ki soucieux de petite, nous ka wè que comme si m'ta di que gen pile parents, gen pile et pour épouse etc. qui mouri et puis même yo pas gen life insurance et puis à cause des conditions économiques pays an, OK? Moun nan mouri et puis kite l'autre moun nan en tête chargé ou bien moun nan mouri ti moun nan li pa gen kòb, li pa gen kay, li pa gen désastre. OK, so ça veut dire que kounya c'est pour nous wè bagay comme si d'une autre façon. C'est pour nous wè bagay d'une façon plus beaucoup plus positif et m'gen wè même ajouter même spirituel. OK? Côté que si par exemple que nous prend life insurance pour moun, li important et puis la fini comme si la protéger moun nan, la protéger ou même tout même que par exemple pour mouri c'est vrai, mais at least moun yo pas passer misère. So ça veut dire que m'ta conseiller nous moi même personnellement et comme si nous pouvons gagner life insurance. OK, pour nous prendre life insurance parce que c'est en comme si m'ta dou son tête chargée que nous retirer sous tête nous. Et ou même tout comme si qui gain life insurance déjà comme si gain quelques questions, OK, ou bien on pensait que couverture là pas assez, OK? Ou bien ou pensait que paiement trop tout, ou gain droit consulter nous tout pour life insurance. I did add something. I knew it. Yes, because I you know, there's a lot of people actually, you know, they have life insurance. Yes. And they want to increase the amount. Of course. Okay. And also there's other people, you know, like, you know, I get calls, several calls from that, you know, that also they have life insurance and they think that their premium is going to be too high. Right. And okay? You know what's interesting uh-huh. about that? We can review their existing policies. Mm-hmm. And the interesting part of this mm-hmm. is that most life insurance companies have recently changed how they look at life. In other words, 5-7 years ago, they had a life expectancy for most people ending at about 95 mm-hmm. years of age or 100. Now they've put it out to 120. So that means all the premiums have gone down drastically. So if you have an older policy, I could possibly get you the same amount of life product for less money. Or if you're comfortable with your current premiums, probably get you more benefit. And well, and I want to add one more thing. Mm-hmm. We talk about life in the position of protecting one's family, but we also should be aware of it can be used as an investment vehicle to truly build wealth and make it such that there'll be monies there for you as it grows tax-free in the future. Perfect. Ça que Matt s'est expliqué là, OK, qui sont bonnes informations pour nous, OK, c'est que j'aime te dire nous si nous voyons que life insurance là trop pour nous li pa coûter nous rien comme si pour nous reler en consultant moi même ou bien Matt, OK, côté que nous reviser police pour nous pas payer pour ça, nous pas défaite police nous en tout, comprendre, parce que nous même team moi avec Matt là son team comme si que nous même nous bail vérité puis nous fait travail nous droite, OK, côté que si nous voyons que nous ca descendre prix pour nous, n'a descendre prix pour nous. Mais si nous ouais tout comme si que nous pas qu'à descendre prix et puis nous qu'à faire joindre plus bénéfices,
le sa kounya nou même la performo exactement ki sa ke nou ka fè pou. Surtout encore après gon série de revision ki fait sur zafè life insurance côté que yo te kon di que moun ka vive jusqu'à l'âge de 96 ans kounya yo ajouté le wè que moun ka vive otije plus jusqu'à l'âge de 120 ans. So ça veut dire que gon bonne série d'avantages kounya ki gen dans life insurance que nou même que nou pa konnen. Et puis ça que nou pa di nou encore que n'ap redi nou encore et n'ap di nou kounya encore excusez-moi. C'est que nous pas besoin seulement pour la life insurance comme si l'on cas et comme si m'ta dit que et juste que n'a payé pour si nous mouri. Ça veut dire qu'il y a deux différents types de life insurance que m'connais que nous connais déjà. Gon life insurance côté que on paye, côté que c'est l'homme mouri ou ba bénéficiaire. Yo comme la gagne yon tout que on paye pendant appel là tout c'est comme si m'ta dit son compte d'épargne que lié. Ça veut dire que on investit là dans life insurance là, et puis n'importe l'autre a besoin prendre cob là donc nous prendre cob là. Did you tell him how to get in touch with us, just in case? Oui, c'est ça. Bon, manquer oublié et nous t'as besoin que plus information sur life insurance. Vous pouvez contacter nous tout le monde Miami. C'est 305 215 78 81. Encore tout le monde capteur de nous qui t'a besoin que plus information sur affaire life insurance. Pas life insurance seulement, excusez-moi, l'assurance en général. C'est 305 215 78 81. Et puis mon boire c'est 954. 226 28 65 encore 954 226 28 65 et puis tout le monde West Palm Beach c'est 561 305 81 76 encore 561 305 81 76. So now all of you out there who have life policies that are more than 5 years old, you should be giving us a call because I'm sure of it, we can do something to help you. Vous avez dit que quel que soit et moun kap tande nou la, même quand c'est pas pour vous, ou gen wa pran information pour un ami ou pour un famille, ou pas gen intérêt comme si pour gen on life insurance que ou est qu'on pas capable pour quitter le perdu. En vont quitter le perdu, c'est rele nous même pour nous ka bon consultation gratis et puis pour nous ka reviser document pour. Encore téléphone nous, c'est 954 226 28 65. Ou bien moun Miami c'est 305 215 78 81 encore 305 215 78 81 ou bien moun nan zone boy city yo c'est 561 305 81 76 encore 561 305 81 76 et puis nous gen la visite nous dans site internet nous www.medicaremat.com encore c'est www.medicaremat.com. You know, it's so nice to have the opportunity to sit next to you and watch you talk. It's like, it just works. So thank you. So do we cover enough for life insurance yes, today? Yes, I think we did. We did good with this one? Yes, we did perfect. So now let's talk about, I think we want to switch gears a little bit and go back to the health side of business things because the Obamacare, the affordable health care opportunity that is we're in the middle of right now, even though Medicare's open enrollment has closed, as I talked of earlier in the show, the Obamacare or you know the affordable health care. Look at that. Who's calling? Is that your yes, phone? Yes, it is. I forgot to. You want to shut it off or you want to? No, you know what? We'll keep going. Yeah. So anyway, maybe that's one of our callers, yes, our listeners. We're sorry. Call back a little bit later. We'll answer it. But that being said, the health care open enrollment is now. It's going on right now, and it continues through February 15th. But understand this, you need to get with us before December 15 if you want coverage by January 1. If we miss December 15, that's the cutoff for January 1, then you won't be able to get coverage until February 1. And if you miss that yet again, you know, then we're looking at March 1st. Okay. Kou nan a parlé de plan Obama parce que nous connaît que et nous très intéressé dans plan et assurance Obama. Côté que par exemple que si nous t'as besoin comme si gen couverture naturellement gon premier deadline sous nous besoin gen couverture pour janvier c'est pour nous gen appliquer avant 15 décembre mais si nous pas gen temps et appliquer pour jan avant 15 décembre nan nous ka toujours comme si prend et couverture mais nous bal jeune couverture kounya pour février ou mars. So ça veut dire que si nous t'as besoin gen plus information sous affaire et assurance et Obama qui là c'est contactez nous dans 954 226 28 65 encore 954 226 28 65 moun Miami c'est 305 215 78 81 encore 305 215 78 81
et tout le monde West Palm Beach, 561-305-81-76. Encore, 561-305-81-76. And for those who like English too, it's INDADE 305-215-7881, Broward 954-226-2865, and in the Palm Beaches 561-305-8176. And to continue with the healthcare part of the show, you know, keep in mind that there are a lot of choices to be made. I mean, each healthcare company that's providing insurance to us has different programs at different levels of coverage with different levels of price. And there's no way, even for us, Farah and Matt, to know, you know, all the different plans unless we do the research. And that's the beauty of calling us, because we're going to do it for you. You don't have to go and guess and figure out which company to look for, you know, which program to look for. We're going to ask all the right questions of you. We're going to interview you, and we're going to figure out with your help what makes the most sense, what makes you most comfortable, sleep well at night, knowing that we're choosing the right health coverage for you and your family. Oui, qui est très très important, ça m'a tout dit noir. OK, ça veut dire que dans la vie, c'est pour apprendre, prendre ça que les monde qui spécialisé dans le domaine. Ça veut dire que oui, c'est vrai nous gain le droit lancer et Obama qui là et puis n'a pas essayé voir ça n'était qu'à faire puis ça qui arrivé. Nous c'est que c'est pas métier, nous c'est pas spécialité nous. Nous même nous va avoir tendance prendre ça comme si qui pas gain bénéfice que n'a cherché ou bien en prix que n'a cherché. So, c'est ça qui fait que le ou prend en compagnie, on team même gens avec moi même avec Matlan. Côté que nous-mêmes, nous prenons sans nous comme si que nous-mêmes nous connaissons exactement, dépendamment de tel monde, mais qui plan, mais qui est compagnie qui a bon pour lui. Malgré ça, que nous-mêmes, nous sommes consultants, nous avons une recherche et très profonde nous-mêmes pour nous faire. So, ça veut dire que nous-mêmes, nous n'avons pas d'intérêt comme si nous pouvons casser tête ou pour poser tête ou une série de questions que nous ne connaissons. C'est relayer consultant moi-même avec Matt de façon nous-mêmes pour nous avoir une consultation sous affaire. Et Obama Kerlan. Encore, consultez-nous, c'est 305-215-7881 ou bien 954-226-2865 ou bien Palm Beach 561-305-8176. Now, we've talked about, you know, the different opportunities that are within health insurance, but we didn't talk about yet what is the Obamacare portion of health insurance? Like, what is it? What's the deal? So, If one decides to buy health insurance direct from the insurance companies, you can go and buy it direct. Good luck to you. You're much better off working with us because we can help navigate and help you choose the right plan. There's no additional charge to you. It's the same program, it's the same price, whether you did it yourself or used our help. The difference is you have our help. Now, the other part to this whole picture is if you feel that there's a need for going through the exchange, as it's called, it gives you the opportunity for those who have a need to get subsidies. Subsidies which we can help, again, navigate for you at no cost to you and help reduce your monthly premium. Bon, ça qui est important, c'est que l'on consulte en consultant. J'aime ça dit nous. Ça veut dire que nous-mêmes, nous connaissons exactement qui ça pour nous faire. Une série de plans supplémentaires que nous c'est nous-mêmes qui connaît exactement qui ça pour nous faire ou même de façon même pour qu'a jeune résultat que on cherche. So, ça veut dire que en un mot pour qu'a bien couverture que on cherche, OK? Non seulement à un prix abordable et puis les finir encore pour qu'a jeune tout bénéfice, c'est consulter consultant moi-même avec Matt côté que nous fait assurance en général, nous fait assurance de vie. OK, et Medicare malgré comme si que li passé mais nous toujours comme si gen cas spécial ou gen droit consulter nous pour Medicare supplément. OK, ou gen droit consulter nous tout nous pas gen temps parler de ça jodi a pour et assurance funéraire. OK, so ça veut dire que ou même qui t'a besoin gen plus information c'est consulter nous encore 954 226 28 65 encore 954 228 226 28 65 ou bien moun boy sitio 561-305-81-76. And thank you very much for a great show again. I just want to throw out a quick shout out to my friend Mr. Pierre down at Whole Foods down in Pinecrest, Florida. Hope you listened in today.
Oui, c'est ça encore. Tout le monde qui t'a attendu, moi-même avec Matt, c'est Entrepreneurs Link, c'est Farah et Matt qui rentrent la caillou tous les lundis de 7h à 7h30. Côté nous, venons porter un pile d'informations pour vous sur les affaires, entrepreneurship, comment prouver un business, manager un business et puis grandir un business. Et puis nous parler tout de real estate avec assurance. Malheureusement, je ne dis pas que tu as parlé de real estate. Mais la semaine prochaine, nous allons venir avec l'article 20 questions que vous supposez poser tête en avant, comment son business et puis avec information sous affaire real estate. OK, merci, à la prochaine. Merci. Bye bye. Bye bye, thank you.